Bonjour tout le monde, comme je suis content de vous retrouver. Et oui, en ce 24 décembre, ce soir c'est le réveillon, j'espère que vous allez passer un excellent réveillon. Pour ma part, je vous accueille donc aujourd'hui pour un nouveau show de Raw. Et nous accueillons la petite britannique, Paige. Paige qui fait donc son entrée, Paige qui est actuellement... aspirante numéro 1 pour le championnat des divas. Et ce soir, donc, en fait, elle se retrouve confrontée à Naomi. Naomi qui sera donc accompagnée de Tamina pour ce match. Donc, je vous promets des surprises, d'énormes surprises, enfin, surtout une énorme surprise pour ce show. Je vous en dis pas plus hein, pour l'instant. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le main event de ce soir sera juste énorme. On aura Seth Rollins qui sera donc opposé à Roman Reigns et Bray Wyatt. Ça promet d'être un main event explosif. Pour l'instant, nous accueillons donc Naomi, toujours accompagnée de Tamina. Excusez-moi, hein, j'ai un petit problème de voix, ça peut arriver. Donc, un match toujours pour déterminer la prétendante numéro 1. Allez, c'est parti entre la Britannique et Naomi. Et ça commence assez rapidement, on va dire. Ma foi, ça commence un peu technique, on va dire. Le back suplex porté par la Britannique, l'attaque des choses sérieuses dès le départ avec un dropkick dans le dos. Très très bien porté également. Et Naomi qui réplique aussitôt. Elle est prise de force entre les deux. Personne ne prend l'avantage. Projection dans le coin, assez violente d'ailleurs, ma foi. Et oh, attention. Oh, electric chair porté par Paige. Et Paige qui semble, ma foi, très motivé en ce moment, surtout en ce début de saison. Alors, il y a des bruits qui courent apparemment, comme quoi une équipe pourrait se former entre Paige et Natalia dans mon mode univers, mais pour l'instant ce n'est que spéculation. Je vous en parlerai peut-être de manière plus approfondie au fil des épisodes, parce que j'ai décidé d'inclure en fait le neckbreaker. Oh, très bien porté par Naomi. Très très bien porté. Et donc je disais donc oui, comme quoi j'avais l'intention d'inclure dans mon mode univers en fait un championnat par équipe féminin, donc au sein de la division des divas. Donc j'ai décidé de faire revenir aussi une équipe féminine qu'on voyait plus, donc c'est-à-dire l'équipe Les Cool composée de Michelle McCool et Layla. Donc ça aussi, on verra ça au cours des prochains épisodes. Je vais pas trop vous spoiler non plus. Oh, joli backbreaker porté par la Britannique sur Naomi. Et elle tente de tomber. Je ne pense pas que ça puisse suffire, et ça suffira pas évidemment. Naomi se dégage assez rapidement. Et donc, c'est une idée hein, qui m'est venue comme ça de mettre un championnat par équipe du côté des divas. Je me disais que ça pouvait être marrant, ça pouvait donner peut-être... comment dirais-je ? Ça pourrait peut-être valoriser un peu plus la division diva, je pense, au sein de la fédération. Ça pourrait être plus sympa, quoi. Donc voilà, c'est une idée. C'est un de mes petits cadeaux de Noël. Pour vous qui êtes de plus en plus à regarder mes vidéos, et n'hésitez pas à faire tourner d'ailleurs, parce que j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de gens qui regardaient, et ça veut dire qu'apparemment ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce à chaque fois de temps en temps, et puis de faire tourner mes vidéos. Oh, Urakana porté par Naomi, et Paige qui se retrouve donc dans une situation un petit peu embarrassante. Allez, Naomi donc qui continue son œuvre de destruction. Elle s'en prend à Paige de manière continue. Paige donc qui fait le tour de Naomi. Oh, le coup de coude. Elle coince la Britannique dans le coin. Et évidemment Paige se défend. Elle la pose sur la troisième corde. Je pense que ça se prépare pour une superplex.
Et effectivement, Superplex très très bien porté, le dos de Naomi vient de s'écraser au centre du ring. Attention, Paige qui tente, oh le Paige Turner, ça pourrait être la fin, attention, 1, 2 et 3 victoires donc de la Britannique, victoire rapide mais efficace. Donc Paige qui conserve du coup sa première place de prétendante au titre. Très très bon match de la part de la Britannique, on revoit cette superplex très très bien portée. Je pense que ça a été en partie le coup de grâce hein, quelque part, juste après le Paige Turner, très très bien porté. Et je pense que Paige savait exactement ce qu'elle faisait en enchaînant les deux prises. Et Tamina qui ne pouvait regarder sa partenaire des abords du ring, elle n'a rien pu faire. Donc victoire de Paige, très très belle victoire d'ailleurs. Allez, on va enchaîner avec le match suivant. Oh, vous connaissez cette musique. Vous connaissez également cet homme. Le Suisse, Cesaro. Alors Cesaro en ce moment qui est donc en équipe avec Tyson Kidd, toujours en course pour le titre par équipe de la WWE. Et là donc ce soir, Cesaro va se retrouver face à un adversaire un peu, je dirais, de son niveau. Vraiment de son niveau, puisqu'il va être opposé à Dolph Ziggler. Et je pense que ça peut être un match qui va être... je pense que ça peut être technique entre les deux hommes, ça peut être également très serré. Surtout quand on connaît le style de catch des deux hommes. Ça va être une opposition... assez particulière, je pense. Un match qui va tenir toutes ses promesses. Et voici donc le show-off Dolph Ziggler. Alors, personnellement, je vous donne mon avis hein, sur la modélisation de Dolph Ziggler sur cette version 360. Franchement, je trouve qu'il est vraiment, mais vraiment bien modélisé. Il est bien réussi, quoi, pour une console last-gen. Il est vraiment bien fait, quoi. Et on le reconnaît bien, hein, c'est tout à fait son style. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir, après les fêtes, donc passer sur Xbox One. Du moins, je l'espère. Ça dépendra de comment va se passer un petit peu ce réveillon et la journée de demain. Je ne sais pas vraiment encore. Enfin, moi, en tout cas, je vous souhaite d'être bombardé de cadeaux, de tout ce que vous voulez. Vous puissiez vous faire plaisir un maximum. Et pourquoi pas, vous aussi, prendre... WWE 2K16, la chose la plus appropriée pour tout fan qui se respecte, hein, évidemment. Allez, on revient donc sur le match entre Cesaro et Dolph Ziggler. Et ça commence très 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 fort. Avec un Cesaro, je dirais qui s'en prend directement au point faible de Dolph Ziggler. Il le piétine, il le projette, il sait ce qu'il fait, Cesaro, là. Il commence directement par affaiblir son adversaire. Et il monte sur la deuxième corde, la troisième corde, attention. Oh, c'était vraiment pas mal ça. Et Dolph Ziggler évidemment qui réplique avec une flying clothesline, excusez-moi. Et donc Dolph Ziggler avec un coude sur les cervicales de Cesaro, élongation du bras et une autre clothesline très très bien portée par le show-off. Allez, donc torsion du bras et un power slam très bien porté par Cesaro. Oh, il saute littéralement à pieds joints dessus. Aucun respect de la part de Cesaro pour Dolph Ziggler, hein, évidemment. C'est pas le grand amour entre les deux hommes, ça se voit. Allez, Dolph Ziggler qui s'en va traîner son adversaire au centre de ring, il tente de tomber. Et même pas un décompte de 1. Évidemment, le Suisse... ça ne sera pas battre aussi facilement. Allez, donc projection dans le coin. Et Cesaro qui enchaîne avec un coup de pied dans l'abdomen. Qu'est-ce qu'il fait, Cesaro?
Ah d'accord. Donc Cesaro a décidé de faire le ménage du côté de la table des commentateurs. Je ne sais pas si c'est bon signe. Enfin en tout cas pas pour Dolph Ziggler. Ah, c'est bien ce que je pensais. Le Suisse a décidé d'en finir. Il monte sur la troisième corde. Attention. Oh, la descente du coude sur la table des commentateurs. Je crois que Dolph Ziggler ne risque pas de s'en remettre. Et oh, attendez. Ce n'est pas fini. Cesaro qui porte sa prise de finition. Ah, je crois que c'est la fin de... C'est la fin de la fin, je pense. C'est la fin de Dolph Ziggler, je crois. Je ne sais pas s'il se remettra de ce qui vient de se passer. En tout cas, les conséquences peuvent être assez dramatiques pour le match. Oh, on s'y attendait pas du tout. Très belle réplique de Dolph Ziggler qui tente le tomber. Et ça ne suffit pas pour abattre le Suisse. Allez, coup de poing, prise de collier, et oh, le jump DDT porté par Dolph Ziggler qui tente de nouveau le tomber, et ben ça suffit, figurez-vous. Figurez-vous que ça suffit, il vient donc de mettre une raclée, si je puis dire, à Cesaro. On pensait pas ça de lui après la prise de finition que Cesaro lui a portée à l'extérieur du ring. Très franchement, il est très très bien revenu dans ce match, c'est assez impressionnant, j'avoue que là, je pense que le champion intercontinental, le champion des États-Unis, Seth Rollins, a du souci à se faire. Car Dolph Ziggler est dans les prétendants, et tout le monde sait qu'il veut ce titre également, il en a parlé récemment. Il a bien précisé que... Le titre des États-Unis était l'un de ses objectifs principaux. Et il vient de démontrer ce soir qu'il a parfaitement sa place en battant Cesaro. Allez, je vous avais promis donc une surprise pour ce show, et pas n'importe laquelle. Vous connaissez ce regard, vous connaissez cette musique, vous connaissez cette entrée. Vous l'avez reconnu, c'est Lita. Alors Lita que j'ai eu donc dans la mise à jour... la nouvelle mise à jour qui comprenait les DLC Pack de légende, où il y a eu donc Mr. Perfect, Dusty Road, le Big Boss Man, Twitch Platus et Lita. Donc voilà, j'ai décidé de l'inclure dans le roster de Raw. Je pense que c'est sa place, elle a tout à fait sa place au sein du roster. Donc voilà, une nouvelle participante hein, dans la ligue féminine. Et son adversaire ce soir donc ce sera Cameron qui elle aussi a des rêves de gloire, je dirais celui de s'approprier le titre Diva, et elle a pas l'air d'être très très soucieuse de ce qu'il attend dans le ring visiblement. Oui, apparemment elle n'a pas l'air d'être très très perturbé d'affronter une légende féminine du catch. Enfin, n'oublions pas que Lita est, comme on l'appelait, la reine de l'extrême, à l'époque où elle faisait équipe avec Matt et Jeff Hardy, les Hardy Boys. Je pense qu'elle devrait se faire du souci quand même, Cameron. Parce que c'est pas n'importe qui Lita quand même, hein. Allez, c'est parti donc entre les deux divas avec une prise de force. Ça commence très bien au centre du ring. Et Lita qui en profite pour porter un neckbreaker. Très très bien porté. Ah, je pense que c'est un match qui risque d'être assez technique entre les deux divas, je pense. Surtout quand on connaît la vélocité de Lita. Elle est dans un style un peu... Oh, attendez. Oh, Cameron qui vient donc de s'en prendre aux cheveux de Lita, carrément. Donc il n'y a vraiment pas du tout de respect de la part de Cameron envers Lita. C'est... Ouais, il lui écrase la face littéralement sur le ring. C'est... c'est assez monstrueux. C'est vraiment pas du tout une visite de courtoisie de la part de Cameron. Je pense que... Finalement, elle a très bien compris à qui elle avait affaire. Oh, très bien, belly to belly porté par Lita. Et qui passe derrière son adversaire. Elle la projette dans le coin.
Et allez. Oh, ça sent le tornado DDT. Et parfaitement, c'est un tornado DDT très bien porté également. Allez, donc prise de collier. Oh, Lita qui s'en prend à la jambe de Cameron. Je pense qu'elle a décidé de l'affaiblir au niveau des jambes. Elle contre bien en tout cas, elle contre bien son adversaire. Des deux côtés, c'est il y a du répondant. Je pense que c'était un beau match. On assiste à une belle rencontre, un beau retour peut-être pour Lita si jamais elle gagne ce soir. Allez, descente du coude. Descente de la jambe carrément sur le visage de Cameron. Une nouvelle descente du coude, bah décidément. Oh, Urakana porté par Cameron avec une superbe descente du Unu. Il n'y a vraiment pas de quartier entre les deux divas. Ouh là là, c'était pas mal ça. C'était bien tenté de la part de Cameron. Allez, Lita qui se relève, qui contre. Allez, une série de coups de poing d'Atemi de la part de Cameron, elle enchaîne. Oh là là, Lita qui est dans une posture un petit peu difficile là, voilà. Elle a porté un petit leg sweep, c'était pas mal tenté. Allez, Rakana de nouveau porté par Cameron. Nouvelle descente du genou sur le visage de Lita. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Russian leg sweep à nouveau, décidément. Ça rigole pas du tout hein, dans ce match. Encore un leg sweep, très bien porté. Lita qui semble un petit peu en difficulté dans ce match. Hein. Allez, coup de pied dans l'abdomen. Urakana cette fois-ci porté par Lita. Elle va peut-être tenter de tomber. Non, une petite descente du coude. Encore une descente de la jambe. Ah, les deux divas sont en guerre. Hein. C'est vraiment une guerre à la fois physique et psychologique entre les deux. Les torsions du bras. Oh là 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 là. Voilà, bah décidément Cameron a vraiment décidé de manquer de respect à Lita. Lita un petit peu en difficulté pour son retour quand même, c'est pas vraiment ce que j'aurais souhaité quand même pour son retour, mais enfin, il y a de l'adversité entre les deux et on aime ça, c'est pour ça que vous êtes là. Après tout, c'est comme ça qu'on aime le catch. Oh, le jawbreaker porté par Lita. Oh, ça a dû faire mal. Un leg drop, un double leg drop en fait, donc sur Cameron. Oh, attention. Oh, Cameron qui se prépare pour porter peut-être sa prise de finition. Et c'est le girl by, très bien porté par Cameron. Elle va peut-être enchaîner avec le tombé, attention. 1, 2, et oh, Lita qui se dégage. C'était moins une. Lita qui tente de revenir dans ce match, hein, tant bien que mal. Allez, elle retourne Cameron. Elle piétine le bras. Allez, elles se font pas de cadeaux. Hein. En même temps, toutes les places comptent hein, pour ce championnat, j'ai envie de dire. Ah bah ce coup-ci, c'est au tour de Cameron de s'en prendre aux jambes de Lita. Lita qui semble quand même un petit peu affaiblie après la prise de finition que Cameron lui a portée, attention. Oh. Cameron qui vient de contrer une close line et qui tente le tomber. 1, 2, non même pas 2, excusez-moi. Décompte de 1 simplement. Allez, torsion du bras. Oh là, elle a vraiment décidé de s'attaquer au bras de Lita. Je pense qu'elle a trouvé le point faible de son adversaire ce soir. Urakana très très bien porté. Non, c'était pas un Urakana, ça. C'était un petit tour du monde, hein. On va appeler ça comme ça. Allez. Camel Clutch maintenant, à présent porté par Cameron sur Lita. Et Lita qui s'en dégage assez rapidement. Elle ne l'aura pas par soumission, Cameron, je pense pas. Allez, toujours est-il que Lita tente le tombé et dégagement de Cameron. Elle tente de revenir, Lita, hein, mais... ça a l'air d'être difficile. Elle est Atemi portée par Lita. Attention, elle met Cameron... Ouh, la tête en bas carrément dans le coin. Elle lui piétine la face. Oh là là, je pense qu'elle est remontée, Lita, là. Elle est remontée. Est-ce qu'elle va lui porter sa prise de finition? Est-ce que ce sera le Twist of Fate?
Oh non, Lita DDT, très bien porté. Ah, c'est peut-être la victoire qui vient d'apparaître pour Lita. Attention, 1, 2, et non, malheureusement, dégagement de Cameron. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est une guerre physique entre les deux, c'est un truc de fou. Elles se font vraiment pas de cadeaux. Allez, nouvelle descente du coude de Lita. Ah, c'est la guerre, c'est vraiment la guerre. Et prise de force. Allez, Lita qui... Oh, bah dis donc. Quel manque de respect encore là. Allez, 1, 2, et... Non, pas 3, décidément. Ah, il n'y a vraiment aucun respect entre les deux. Hein. Ça y va coup de poing, coup d'avant-bras. C'est un truc de fou. Allez, Lita qui contre à nouveau. Et encore un petit tour du monde porté par... par Cameron. Elle ramène Lita au centre du ring. Et oh! Oh, elle vient de porter son spécial. Ça peut suffire peut-être. Et oui, carrément, ça suffit pour battre Lita. Une victoire mémorable, une victoire dont on va se rappeler, je pense. Lita qui met donc énormément de mal à malmener Cameron ce soir. Elle perd son match de manière un peu incroyable. Ah, peut-être qu'elle n'était pas... peut-être qu'elle n'avait pas retrouvé ses sensations, peut-être qu'elle n'était pas dans le match, on ne sait pas trop. Enfin, toujours est-il que Cameron remporte ce match, et ça, c'est le plus important. Ça permet à Cameron de remonter dans le classement, je pense. Et malheureusement, pour Lita, bah, c'est pas un très très bon retour. Hein. C'est un petit peu dommage. Enfin, toujours est-il que Lita a encaissé le Girl Die, et elle s'est relevée, hein, quand même. Beau match, j'ai envie de dire quand même. Allez donc, on accueille maintenant un match par équipe. Et donc ce sera le New Day opposé à la team Mizdo. Donc le New Day qui fait son entrée. Donc j'ai volontairement raccourci les entrées puisque Damien Sandow et The Miz en fait rentraient séparément. J'avais un petit peu peur que ça prenne un petit peu trop de temps sur le montage, donc du coup je me suis permis de mettre que l'entrée du New Day, voilà. Simplement. Allez donc le New Day, cette nouvelle équipe qui a l'air d'être assez tendance en ce moment au sein de la WWE, même si moi personnellement je les aime pas beaucoup. Le concept a l'air de marcher en tout cas. Bon, après, j'aime bien Kofi Kingston. Hein. Kofi Kingston, personnellement, je l'adore. Mais dans cette équipe, je sais pas. Je trouve que l'image du personnage qu'il incarne, Kofi, ne lui va pas du tout dans cette équipe. C'est. Je sais pas. Je retrouve pas le Kofi qu'on a connu auparavant. Enfin, c'est pas grave. Toujours est-il que le match a commencé. Et que ça commence très 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 fort avec une close line portée par Kofi Kingston sur le Miz. Et torsion du bras, double torsion du bras, et oh là 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 là, un arm breaker très bien porté par Kofi Kingston, et Kofi Kingston qui se voit projeté par-dessus la troisième corde. Et je pense que c'est Damien Mizdo qui va s'en occuper à présent. Chose faite, il le ramène vers le ring. D'accord. Pas très en forme là, Kofi, je trouve. Hein. Pas très en forme. Allez, le Miz qui enchaîne donc avec un bulldog très très bien porté. Il vient d'éclater la face de Kofi Kingston sur le ring. Il le piétine. Allez, le Miz, attention, petit paquet pour tenter le tomber. Et décompte de deux, tout simplement. Allez, donc, on envoie Kofi Kingston dans le coin. Le Miz qui passe le relais. Attention. Oh là 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 là. Le kick pleine face porté par Damien Mizdo. Et Damien Mizdo qui porte son spécial. Et qui vient d'éclater la face de Kofi Kingston au centre du ring. Allez, attention.
Et le finisher de Damien Mizdow qui vient de mettre Kofi Kingston au sol, est-ce que ça peut suffire? Eh bien non, ça suffira pas. De toute manière, l'arbitre n'était pas vraiment concerné par le décompte. Il avait l'intention un petit peu détournée par Biggie. Oulala, là, c'est, ça fait un petit peu de désordre sur le ring là. Ah, ça rigole plus. Xavier Woods qui était intervenu pour aider Kofi en projetant le Miz dans le coin. Et là, c'est le Power Slam de Damien Mizdow qui vient de faire beaucoup de mal à Kofi. Il tente un petit paquet. Et ça suffit pas, évidemment, puisque... Oula, Xavier Woods qui vient d'aider Kofi Kingston et Damien Mizdow qui se voit projeté hors du ring. Et oh, d'accord. Règlement de compte, donc, entre Big E et Damien Mizdow. Ça a été plutôt rapide. Oula, qu'est-ce qu'il fait, Damien? Ah bah voilà, d'accord. Il s'en prend maintenant à Xavier Woods. Xavier Woods qui n'avait pas forcément fait quoi que ce soit pour mériter la chose, j'ai envie de dire. Allez, Kofi qui intervient. Petit problème avec l'arbitre, Kofi. Mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord, donc je sais pas pourquoi Kofi Kingston s'en est pris à l'arbitre, mais... C'est pas grave, le match continue. Allez, Atemi porté par Kofi Kingston sur le Miz. Et oh, oh là là, quel enchaînement dynamique de la part de Kofi Kingston avec ce, une superbe clothesline pour finir le mouvement. Il tente un splash et c'est contré par par le Miz. Une UD qui semble franchement en difficulté dans ce match, c'est assez impressionnant. Allez, le Miz qui enchaîne et qui s'attaque aux jambes. De Kofi Kingston et il éjecte complètement Xavier Woods hors du ring. Allez, donc Kofi Kingston qui contre autour du Miz maintenant de contrer, un échange de contre, attention. Oh là là, ah, la jambe gauche de Kofi Kingston qui a l'air de d'être mal en point. Il sait ce qu'il fait, le Miz, il est en train de d'affaiblir les fondations de Kofi Kingston. Allez, et le Miz qui porte son spécial, il va tenter de tomber, et 1, et 2, et dégagement de Kofi Kingston, c'est assez incroyable. Oula, Xavier Woods qui vient de se faire éjecter une nouvelle fois par, par le Miz. Attention, le Miz qui porte de nouveau sa prise de finition. Allez, le Miz qui tente de tomber, il n'y a pas break. Attention, 1, 2... Et 3 victoires donc de la team Mizdow. Très 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 belle victoire. Avec un New Day complètement absent dans ce match, c'est assez incroyable. Peut-être un petit peu de manque de coordination dans l'équipe. C'est un petit peu brouillon à un moment donné. Hein. On se retrouvait pas trop trop là. Dans le coin en bas à droite là à un moment donné, c'était un petit peu le capouillage. Et puis Kofi Kingston à un moment donné qui s'en est pris à l'arbitre. On a eu ça la dernière fois aussi avec, avec Page dans un triple menace. C'était assez, assez bizarre. Allez donc, victoire de la team Mizdow. On peut pas dire que cette victoire a été volée, ça a été un travail d'équipe, hein. On va dire quand même que Damien Mizdow et le Miz ont parfaitement su coordonner leurs efforts dans ce match, ce qui leur a permis peut-être de s'imposer. Très belle victoire. Allez, nous accueillons maintenant le champion en titre de la WWE, le champion du monde de la WWE, s'il vous plaît. Seth Rollins, bon, je ne vais pas vous demander de faire une ovation, parce que bon... Après, c'est un avis personnel, hein, mais moi, je n'aime pas beaucoup. On aura beau dire ce qu'on voudra sur Seth Rollins, pour moi, il n'a pas tout à fait l'aspect d'un champion. Enfin, toujours est-il qu'il est champion, donc... Et ce soir, justement, il se retrouve confronté à deux adversaires redoutables. Deux adversaires qui veulent sa ceinture, qui luttent pour la place. Car je vous le rappelle qu'il reste deux semaines avant Extreme Rules. Et quels que soient les résultats de ce triple menace ce soir, ce sera l'un des deux hommes, quoi qu'il en soit,
qui sera l'aspirant numéro 1 contre Seth Rollins à Extreme Rules. Et on accueille maintenant donc le Samoan Roman Reigns. Roman Reigns qui donc à SmackDown a perdu son match en cage face à Bray Wyatt. Il avait donc manqué une occasion en or de mettre un terme au match. C'est ce qui lui a coûté la victoire d'ailleurs. Et donc là ce soir il a peut-être une occasion de se ressaisir, de revenir en fait dans le classement, de dire qu'il est là, de dire que il a encore sa place d'aspirant numéro 1. Pour l'instant c'est Bray Wyatt l'aspirant numéro 1 et je crois que Roman Reigns est bien déterminé à changer la donne. On l'espère en tout cas. Ils peuvent pouvoir s'en passer des choses d'ici Extreme Rules, puisque je vous rappelle que Randy Orton est également dans la course et qu'on ne l'a pas beaucoup vu ces derniers temps. Donc, est-ce que ça cache quelque chose? Je ne sais pas. La tranquillité de Randy Orton, moi personnellement, ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète. Allez, donc on accueille Bray Wyatt. Et je vous laisse apprécier l'entrée, évidemment. Ah franchement, elle est réussie cette entrée. Hein. Quand on pense qu'on est juste sur 360 quand même. Je me répète hein, dans ce que j'ai dit la dernière fois, mais c'est vrai que Bray Wyatt est vraiment très très bien modélisé sur cette version. Très très bien. Allez. Ça va être le main event de la soirée. Le match entre Roman Reigns, Bray Wyatt et Seth Rollins. Alors, c'est un Falcon Anywhere. Donc, le tombé ou la soumission, les deux sont valables à l'intérieur comme à l'extérieur du ring. Allez, c'est parti entre les trois hommes. Et ça commence bien d'ailleurs avec pour Roman Reigns, en tout cas avec un Samoan Drop. Et allez, donc Roman Reigns qui s'en prend directement à Bray Wyatt. Il enchaîne sur Seth Rollins avec une clothesline. Passe derrière Seth Rollins. Allez, le projet part dessus la troisième corde. Clothesline de nouveau, mais cette fois-ci porté sur Bray Wyatt. Et oh, Seth Rollins qui réplique. Bray Wyatt qui enchaîne derrière, attention, avec un... Oh, un swing... oui, on va dire ça comme ça, un swing backbreaker, excusez-moi. J'ai un petit peu de mal, hein. En même temps, on est le matin. Hein. Je viens tout juste de prendre mon café, quand même. Allez, donc, double Russian Neck Sweep porté par Bray Wyatt et Seth Rollins sur Roman Reigns. Ah là 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 là, il y a des alliances qui se font là d'un coup, c'est assez bizarre. Hein. Mais bon, tout le monde le sait, dans un triple menace, c'est chacun pour soi, et tous les moyens sont bons pour gagner, d'autant plus que là, dans ce match, je vous le rappelle, on peut gagner à l'intérieur comme à l'extérieur du ring. Et ouh là, c'est un petit peu le bazar là d'ailleurs, tout le monde se donnait des coups là. Oh, belly to belly suplex porté par Roman Reigns. Et il enchaîne directement maintenant sur Bray Wyatt. Oh, le surpassement par-dessus la troisième corde. Et attention, Bray Wyatt qui se prépare probablement pour une... Non, bah décidément non, il n'y aura pas de souplesse arrière.
Allez, Seth Rollins maintenant qui s'en prend à Roman Reigns avec un Rolling Power Bomb à l'extérieur du ring. Ça a pas dû faire du bien ça. Allez, les trois hommes qui s'en vont maintenant découdre à l'extérieur. Bray Wyatt qui vient de se manger les marches en acier à l'extérieur du ring. Et c'était signé Roman Reigns. Ah, je pense que c'est... décidément, il les aime, les marches, Roman Reigns. Il vient de projeter son ancien camarade, Seth Rollins, sur les marches. Et là, pour l'instant, c'est Bray Wyatt et Seth Rollins qui sont en train d'en découdre. Avec un petit peu d'aide de la part de Roman Reigns. Qu'est-ce qu'il fait, Roman Reigns? Ah, il s'en prend à Seth Rollins. Il a envie de le mettre sur la table. Mais apparemment, ça ne suffira pas pour inquiéter le champion du monde. Allez, Seth Rollins qui en vient aux mains maintenant avec Bray Wyatt. Il le projette sur les marches. Aucun respect de la part du champion du monde. Et Roman Reigns qui est en train de tomber désespéré. Qui vient d'être cassé d'ailleurs par Seth Rollins. Allez, donc les deux anciens membres du Fiend, qui sont en train de travailler à merveille sur Bray Wyatt. Il y a des réflexes comme ça qui reviennent. C'était bien tenté ça. C'était finement joué, intelligemment joué d'ailleurs. Intelligemment joué, pardon. Allez, le Samoan doit porter. Oula, qu'est-ce qu'il vient de faire, Roman Reigns? Il est complètement fou. Il vient de se jeter entre les deux hommes pour finir par se réceptionner la face contre le sol en dehors du ring. Allez, décidément, Roman Reigns a envie de faire quelque chose avec cette table, mais en tout cas, ce sera pas Bray Wyatt qui va aller dessus. Ah, c'est littéralement la guerre dans ce main event. Alors, petit message du coup. Il n'y aura peut-être pas de résumé à la fin de cette vidéo pour la bonne et simple raison que la partie résumée donc avait été coupée comme je le fais d'habitude. Et curieusement, mon logiciel n'a pas enregistré la partie compte rendu, donc ne vous inquiétez pas, ce sera simplement pour cet épisode, je vous ferai un compte rendu plus détaillé lors du prochain. Enfin voilà, petite parenthèse fermée, on revient au match. Et double DDT porté par les deux anciens membres du Field. Oh, le Superman Punch qui aurait pu toucher Seth Rollins. Oh là là, le surpassement de Bray Wyatt. C'est un match, mes amis, que j'ai envie de qualifier. C'est un véritable... une véritable guerre de destruction, de tout ce que vous voulez. Oula, le tombé de Seth Rollins cassé par Roman Reigns. Allez, attention, le pedigree porté par Seth Rollins sur Bray Wyatt, ce qui pourrait bien être la fin. Intervention de Roman Reigns qui ramène donc son ancien camarade sur le ring. Il a une idée, Roman Reigns. On se prépare pour un spear. Et le spear porté par Roman Reigns sur Seth Rollins qui vient de littéralement le couper en deux. Et attention, Bray Wyatt qui en profite pour tenter le tomber. Allez, torsion du bras sur Seth Rollins. Roman Reigns qui ne perd pas de temps. Il a compris qu'il fallait se créer de l'espace sur ce ring pour empocher la victoire. Allez, il s'en prend à Bray Wyatt avec une clothesline sur la nuque de Bray Wyatt. Et Seth Rollins qui vient d'en faire les frais aussi. Allez, attention. Très beau contre de la part de Seth Rollins. Et la flying clothesline contrée par Seth Rollins qui tente de tomber. Et ça ne suffira pas pour inquiéter le Samoan. Allez, Seth Rollins qui se retrouve projeté dans le coin. Belly to belly suplex porté sur Bray Wyatt. Attention,
Roman Reigns qui pose Seth Rollins sur la troisième corde. On se prépare pour une superplex. Ah non, finalement ce sera un Samoan Drop. Et le Samoan Drop qui vient d'écraser le dos de Seth Rollins sur le ring. Mais Seth Rollins se verra finalement prendre la deuxième Samoan Drop. Oh, le Superman Punch qui vient de toucher Bray Wyatt. Attention, 1, 2 et 3 victoires du Samoan. Ah, c'était mérité cette victoire, puisque rappelez-vous lors du match en cage, justement, c'était un Superman Punch raté qui lui avait coûté le match. Enfin, très belle victoire du Samoan. Très très belle victoire dans ce main event. Donc j'espère que ce show vous aura plu, même si il sera un petit peu plus court que d'habitude puisqu'il n'y aura pas le compte rendu. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent réveillon, plein de bonnes choses pour cette soirée. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je ne sais pas si Main Event sortira dans la journée, mais dans tous les cas, on se retrouvera pour Main Event, le prochain show. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très très bon Noël et je vous dis à bientôt. Bisous les amis. Et à très bientôt.